j'ai commencé à travailler sur la protection de la faune en Afrique centrale, au Gabon comme au Congo, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de trafic de faune dans les grands centres urbains comme Libreville, Brazzaville. Vous aviez de l'ivoire en vente libre, des chimpanzés, des gorilles. Et j'ai voulu vraiment consacrer une partie de ma vie à protéger ces forêts et sa faune vis-à-vis des menaces extérieures et en particulier vis-à-vis du grand braconnage et du trafic de faune. Il fallait donc créer une structure, Conservation Justice, qui puisse lutter contre ce trafic. On avait des trafiquants qui opéraient en totale impunité et il fallait tout faire pour qu'ils soient arrêtés et condamnés. Conservation Justice collabore directement avec le ministère des Eaux et Forêts, également avec le ministère de la Justice et les forces de l'ordre pour renforcer l'application de la loi sur la faune et sur la forêt. Notre mission, enquêter, faire arrêter les trafiquants de faune, les faire condamner et informer le grand public. À genoux. Une traversion se passe quand l'enquêteur est d'abord sur le terrain pour identifier la cible s'il est vraiment un trafiquant. La première des choses d'une traversion, c'est d'avoir la confiance. Le trafiquant peut avoir le produit, mais quand la confiance n'est pas bien assise, il peut pas demander le produit. Dans la conservation depuis près de 20 ans. J'ai commencé ma carrière de conservation dans une ONG internationale dénommée Wildlife Conservation Society et aujourd'hui avec Conservation Justice depuis 5 ans. Le Gabon, mon pays, regorge la plupart des écosystèmes du bassin du Congo, qui est donc le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, avec une couverture de 85% de forêt. Le Gabon regorge une densité importante de la faune sauvage, mais malheureusement, ces espèces sont très menacées par le réseau de braconnage, mais aussi de trafiquants illégaux. L'espèce la plus trafiquée au Gabon, c'est l'éléphant, à cause de ses ivoires qui ont encore une valeur importante malheureusement sur le marché asiatique. Donc on cible vraiment ce trafic. On travaille également sur le trafic de peau de panthère, un peu sur le trafic d'écailles de pangolin. Mais 80-90% de nos opérations sont vraiment ciblées sur les ivoires d'éléphants. Donc typiquement, il y a des trafiquants de faune, trafiquants d'ivoire en particulier, qui organisent le réseau, donc ils sont à la tête de plusieurs braconniers, voire plusieurs dizaines de braconniers qui sont alimentés en armes, en munitions, qui sont nourris, qui sont financés et qui vont en forêt pour abattre les éléphants. Alors notre rôle, notre vocation, c'est pas d'arrêter tous ces petits braconniers, c'est vraiment de cibler les trafiquants qui eux sont à un niveau plus élevé et qui ont un impact beaucoup plus négatif finalement sur la survie des espèces et en particulier des éléphants. Il peut y avoir des trafics d'influence, parfois des soucis d'implication, de complicité. Donc on est très vigilant, mais on a la chance quand même au Gabon d'avoir une certaine volonté politique qui permet de travailler dans des bonnes conditions. Nos missions concernent justement à traquer les braconniers et les trafiquants avec l'appui aux forces de l'ordre et de sécurité pour tout ce qui est opération sur le terrain.
mais aussi le suivi des cas au tribunal spécial à Libreville et l'appui logistique, notamment pour le transfert des cas initiés par le projet sur Libreville. En vérité, les trafiquants sont parfois armés. Ils ont souvent parfois des maquettes, des fusils. J'ai été arrêté une fois en 2018 sur la commission. Et il est venu dans le gars, le commun là-bas, pour une manière de jouer là-bas. En même temps, ils m'ont fait sortir et là, je suis dit. En tant que trafiquant que vous êtes, on ne connaissera jamais. Vous serez traqué, vous serez condamné où que vous êtes dans tous les Gabons, un peu partout en Afrique, un peu partout dans le monde entier. On vous suivra du coup. Vous serez toujours condamné par là. Jusqu'il y a peu, au Gabon, la peine maximale pour le trafic de faune, trafic d'ivoire notamment, c'était 6 mois de prison. Aujourd'hui, depuis 3 ans, les peines maximales sont de 10 ans de prison et on a ainsi des trafiquants qui sont effectivement condamnés jusqu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans de prison. Donc la volonté politique au Gabon en faveur de la protection de sa faune et de ses forêts a permis la création de 13 parcs nationaux, mais également de renforcer la loi en matière de trafic de faune. Et donc, grâce à cette volonté politique, on réussit à travailler dans de bonnes conditions et d'avoir des résultats importants. On a eu des saisies allant jusqu'à 200 kg d'ivoire. Et donc voilà, on va continuer nos activités ici au Gabon, grâce à cette bonne collaboration avec la justice, les eaux et forêts, les forces de l'ordre, les autres ONG aussi. En plus de Conservation Justice, Eagle est un réseau qui travaille sur une dizaine de pays en Afrique centrale pour renforcer l'application de la loi, donc enquêter, faire arrêter, faire condamner les trafiquants de faune et médiatiser pour informer le grand public. L'importance du réseau Eagle, dont Conservation Justice est membre, c'est de collaborer au niveau international pour lutter contre un trafic qui est également international, transfrontalier. Donc il y a des échanges d'informations qui permettent des arrestations de trafiquants de grande ampleur, des trafiquants qui opèrent sur plusieurs pays. Le réseau Eagle a permis à organiser l'arrestation de plus de 2000 trafiquants de faune depuis une dizaine d'années. Chacun peut amener un changement positif en matière d'environnement, il y a les gestes quotidiens et bien sûr il y a l'engagement pour des causes, pour la faune, pour la protection des océans, pour la protection des forêts. Et donc nous on a évidemment besoin, comme toutes les ONG, d'appui en ce sens et on encourage vraiment toutes les bonnes volontés à nous rejoindre dans ce combat. 500 trafiquants arrêtés, ça veut dire 500 familles touchées. C'est une grosse responsabilité et ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec plaisir, évidemment. Une loi, sans sa mise en application, c'est juste un bon conseil. Et c'est pas ça qui fera peur aux trafiquants, c'est pas ça qui les fera arrêter leurs activités. Conservation Justice a décidé de travailler au Gabon depuis une dizaine d'années. C'est un pays qui renferme une grande biodiversité, des espèces emblématiques et une forêt encore bien préservée. Mais sur le long terme, qui est vraiment préservé vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis du trafic de faune? Aucun pays. Nous devons maintenir et renforcer nos activités de protection de la faune et de la flore afin de garantir conservation et justice.